Voyez-vous, Einstein a trouvé un modèle explicatif un peu dérangeant. Selon ce modèle, le temps de notre vie, la vitesse de nos déplacements, l'espace que nous occupons sont relatifs à notre vitesse. Supposons que nous ayons la même montre, réglée de la même façon. Vous voyagez en avion, moi je reste là. Votre montre tourne moins vite, car les temps dans lesquels nous vivons sont différents. Évidemment, la différence est infime, si infime que nous ne pouvons la détecter. Mais si maintenant, moi, je filais dans une fusée à 99% de la vitesse de la lumière, et que je revienne sur Terre un jour après, vous auriez vécu, vous, 18 années, et moi, donc, 24 heures. L'espace que j'occupe serait pendant ce temps devenu très petit, mais ma masse, disons mon corps, serait devenu aussi difficile à tirer que 1000 énormes trains de marchandises. Je vous ennuie, là ? Non. En allant au bout de la théorie, on en arrive à penser qu'à l'origine, l'univers tout entier n'était qu'une quantité de matière grosse comme une balle de ping-pong qu'a explosé. Il y a 10 ou 20 milliards d'années, disons plus probablement 14. Il en a fallu 4 milliards pour voir apparaître la Voie lactée, notre galaxie. 10 jusqu'à la naissance du système solaire. Notre Terre date, elle, de 4,5 milliards d'années. Au début, on aurait pu toucher la Lune en levant la main. La Terre s'est refroidie, mais il a bien fallu 1 ou 2 milliards d'années pour que se crée l'atmosphère, puis l'eau. Les reptiles datent de 2 ou 3 milliards d'années. L'homme, peut-être 1 million. Imaginons que tout ce temps soit représenté par une journée de 24 heures. L'âge de pierre commencerait à minuit moins 5, soit pratiquement à la fin des 24 heures. La naissance du Christ à minuit moins une. Plus surprenant, c'est que nous soyons là, nous, les hommes, minuscules bulles, perdus dans l'immensité, et que nous ayons la possibilité de comprendre tout ça. Ah. Car un des miracles, c'est que tout est logique. Si un Dieu existe, c'est peut-être pas un temps, mais c'est certainement un très bon mathématicien.